Bonjour, bienvenue sur l'univers Osiris, sur le jeu Osiris New Dawn et sur la planète Proteus 2 qui est envahie par les aliens. Enfin, c'est moi qui viens les embêter sur leur planète. Mais nous, on va devoir survivre. Donc, on va devoir construire des buildings, on devra chercher nos nourritures, de l'eau et ainsi de suite. Il faudra faire énormément de choses. Alors, on s'était quitté sur un premier épisode où j'avais été tué par des aliens. Ici, ce deuxième épisode, je vais vous expliquer un peu les fonctions du drone et comment construire un coffre de façon à remplir le minerai dedans et ainsi de suite. Ce sera le thème de ce deuxième épisode. Alors, single player, on va. Bon, ça j'enlève. On va prendre United Nations of Earth scientifique. On va customiser. Vite fait, bien fait. Hein. On peut faire comme ça. Si vous voyez. Waouh, disons. Allez, Jones, Richie, on le crée. Et ici, on va quand même dire, on va mettre au niveau des ressources. Les ressources au maximum, les recharges au maximum. Par contre, au niveau des aliens, on va le mettre au minimum et c'est déjà beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, dans ce deuxième épisode, ça sera un peu comme dans le premier, apprendre à déjà avoir des automatismes sur le jeu. Ici, c'est comment utiliser le drone. Parce que le drone peut combattre avec vous. Il peut réparer, il peut faire énormément de choses. Et puis nous, pour l'instant, le jeu consistera donc à faire énormément d'exploration de façon à pouvoir récupérer un maximum de minerais. Alors ici tout de suite, il faut utiliser un patch. Bon. Bon, il y a un bug. Ah non. Puis, désolé. Voilà. J'étais à côté de ça. Alors, on me demande de presser V. Voilà. Comme ça, on nous voit. Vous savez que vous pouvez voler. Hein. Vous avez des jets hein, au niveau des pieds. Ça nous permet de se déplacer. Plus rapidement. Alors on me demande voilà de prendre les munitions. Ça nous permet d'avoir des armes et des munitions. Voilà, là on a un pistolet, on a un assault rifle. Alors, on a également un système de plan qui nous permet de nous guider. Alors, on nous demande de construire un dôme. Alors, il faut prendre le kit, déjà. Sans le kit, vous pouvez rien faire. Alors tout autour, je vois qu'il y a du minerai, je vois que j'ai la possibilité d'avoir de la nourriture également. Et ici, on a quoi? Un survival kit. Et ça, c'est bon de le prendre. Voilà. Alors, ce qu'il faudra faire attention dans cet épisode, c'est les cratères. Parce qu'il y a des grands vers. Ces grands vers nous tuent directement. Ce que je vais faire, je vais aller voir le drone et je vais lui demander qui me suit. Parce que là, il fait tout et n'importe quoi.
Voilà, je vais me reculer, je vais voir ce qu'il va faire. Voilà, maintenant il me suit. Il est armé, hein. Il a des armes de chaque côté. On peut combattre. On va construire un dôme, puisque c'est ce qui est demandé. On va le construire ici. Oui, pourquoi pas. Allez. On va le mettre par ici. Allons ici. Alors, ici. On va essayer de le mettre. Ah, il accepte d'y aller, mais pas dans l'herbe. Pas dans la végétation. Donc ici, F pour confirmer. Et on appuie sur F pour le construire et pour l'installer. Et voilà, ça c'est fait, on va y aller. Et on va récupérer ensuite, on va commencer à récupérer des minerais, donc on rentre dedans. Et ici vous avez un lit. Et ici vous pouvez donc sauvegarder votre partie. Et en même temps vous pouvez avoir des points de santé. C'est toujours intéressant. Vous pouvez rien stocker dedans. C'est une chose qui est sûre, tout ce qu'il y a stocké, c'est à l'extérieur. Dis donc, tu m'embêtes pas, le drone. Hein, le drone, vous pouvez le customiser, hein, vous pouvez lui donner diverses des noms. Voilà, donc lui, il va rester là pour l'instant. Nous, on va commencer. En surveillant les alentours par rapport aux aliens. Ici on a de l'iron, donc c'est le minerai principal. Hein. Je vais essayer de ramasser beaucoup. De toute façon, je vais construire un coffre après. Voilà. Alors. Ça c'est bon. Alors, pour construire un coffre, il vous faut quoi? Au niveau des utilities, il vous faut de l'iron et de l'aluminium. Si je veux construire une forge, de l'iron, du titanium, plutonium. Du titanium, plutonium, c'est plus compliqué à trouver, il faut aller assez loin. On va construire un dépositori. Important, donc il me faut de l'aluminium. Et attention, parce que attention bestiole. Alors je vous dis, faites attention cratère. On va faire 4 ans. Oh, je vais regarder ici aluminium. Alors ça c'est bon. Allez, on va aller ramasser ça. Et on va retourner au dôme. En surveillant. Boum. Et pourquoi il se déplace un peu mieux que ça, hein. Franchement. Mais bon, c'est pas si mal. Alors, je peux pas installer le coffre à l'intérieur du dôme. C'est pas possible. Il faut que je le mette dehors. Il pleut. On va construire. Ici. Alors, ce coffre, malheureusement, tu gênes un peu, toi. Deux fois F.
Voilà, ce coffre est construit. F pour ouvrir. Et vous avez donc beaucoup de cases qui vous permettra ce dépositori de mettre par exemple ça. Si vous avez trop d'eau, oh, j'en ai bu là. Sort. Voilà. Ça. Aussi. De l'eau. Pas tout garder. Enfin, ce sont des bandages pour se soigner. J'ai des armes. J'ai un pistolet. Un multi-tool. Indestructible. Ouais, c'est pour réparer les structures et réparer les droïdes. Et ça, c'est important. Alors, comme le droïde avait pris tout à l'heure, on va regarder si je peux le, si je peux le soigner. Ah, mais il a dit. Ah non, j'avais cru qu'il avait pris des coups. Non, non, pas encore, c'est sur un autre gameplay. Ah, c'est pas grave. Mais bon, vous savez qu'avec ce pistolet qui est indestructible, vous pouvez réparer le drone et réparer les coffres, réparer les dômes, parce que les aliens peuvent tout casser. Hein. C'est ça le problème. Allez, et là-dessus, on continue. On va aller chercher les minerais. Parce que le temps passe vite. Alors, vous pouvez aussi courir, comme vous pouvez voler également. Alors, on va récupérer de l'iron. Avec notre pic. En deux. Et hop. Bon, maintenant on va les ramasser. Oh, pour l'instant, je vois pas d'aliens, mais attention, hein. Surtout les cratères, parce qu'avec les vers. Un autre but, hein, c'est de ramasser un maximum de minerais, parce que je vais en avoir besoin. Faire toutes les constructions. Le drone est là avec moi, donc il va combattre. Hein. Il va vous aider dans les combats. On va essayer de trouver des bestioles. Et on va donc. Combattre de façon à vous montrer ça. Et si le droïde a pris des coups, on va le soigner avec notre pistolet. Réparateur. Reste pas dans mon passage. Donc là c'est beaucoup de l'iron. Oui, là on commence, on est encombré au niveau de. On va plus pouvoir courir. Donc on va aller à Notre-Dame. À Notre-Dame et notre coffre. Moi, je pensais qu'on aurait pu le mettre dedans, mais non, je suis obligé de le laisser à l'extérieur, malheureusement. Alors, F pour réparer. Voilà, ça répare. Le droïde, je crois pas qu'il en a besoin. Bon. Et donc ici, on peut le détruire, on peut le customiser.
un peu comme notre droïde. On peut lui donner une couleur, on va dire orangée, avec du blanc et le détail comme ça. Bon, je sais pas si ça c'est. Non, ça c'est pas moi. Un panneau moteur motorune, G. Osiris, mission personnelle assistance. C'est quoi ça? Alors je ne sais pas si ça concerne notre robot, j'y crois pas. Nono. Voilà, il s'appelle Nono. Super. F. Non, je peux pas. Alors. Là, j'ai peur qu'il y ait un petit bug, mais c'est pas sûr. Voilà, c'est bon. Je vais essayer de. Bah, je vais essayer d'ouvrir mon coffre. Ah, c'est pour le réparer. Moi, j'aimerais bien l'ouvrir. Comment ça c'est? Alors, je vais enlever ça. Ah oui. D'accord. Alors, on peut stocker. Voilà, on va continuer à mettre. Hop. Ça, c'est pas mal. Allez, on continue. De toute façon, moi, mon but, c'est de faire un maximum. On va récupérer un maximum de choses. Allez, nono. Bon, là, il y en a encore. Je vais récupérer. Waouh! Alors, j'ai vu des personnes qui ont des difficultés pour avancer avec les touches W. J'ai vu ça. Ne vous inquiétez pas. La facilité, c'est d'utiliser la manette avec le clavier. La manette me sert à avancer dans toutes les directions possibles parce que c'est un jeu qui demande beaucoup d'automatisme dans le bouger, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour moi, le clavier plus la manette, c'est ce qui est le mieux. Avec la manette, ça va quand même beaucoup plus rapidement. Et ça me permet. Alors, je suis encombré. Après, vous pouvez plus courir. Vous voyez, je peux plus courir. Vous utilisez vos électrofusées. Ça aide bien aussi pour l'exploration. Un petit bug, mais bon. C'est un jeu en early access. Donc c'est un petit peu normal. Bon là j'en ai assez avec de l'Aaron, j'en prends plus. Je vais donc essayer de partir sur d'autres. D'autres minerais. Ce sera quand même. Bon, Nono, tu me suis? J'espère qu'il va me suivre. Oui, il est là. Lui, il va vite. Hein. Oh, mais des fois, ça m'arrive que je le perds. Oh là.
Non, je vais changer mes armes. Et je vais mettre. Pas prendre de risque. Alors, il est là-bas. On va essayer de. Là, il y a la visée et le tir. Avec la manette, hein. Moi je fais de la manette. J'en ai acheté une nouvelle. Elle va super bien. C'est bien pratique les manettes. Maintenant on peut jouer les deux, clavier, manette. C'est quand même. Et là, je vois plus rien. Je vais devoir utiliser ma lumière. Et je vais me reculer. Le droïde, il va pouvoir peut-être s'en occuper. Non, non. Il est où, là? Ah oui, c'est bien vivant, hein. Sur cette planète, vous avez des tempêtes de sable. Bon. Nono surveille, là, il y a un. Bon, là, il y a de l'iron encore, je ne vais pas en prendre, parce que il y a de l'aluminium. L'aluminium. Je vais rester attentif, parce que je sais qu'il y a un alien ici. Bon, allez, on va y aller. Méfions-nous. Bon, là c'est de l'iron, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors des fois je vais un peu sur les hauteurs pour surveiller de l'iron. Mon droïde juste en bas. Et tire! Il tire. Eh non, non, tu sais pas le détruire, non? Bon, on va le surveiller. En plus, je vois pas trop. Recule, je vais essayer de monter un peu sur les hauteurs. Si je dois l'avoir, je vais essayer de l'avoir autrement. J'ai pris des coups. Mon robot est où? Je retourne à mon dôme parce que je vois plus mon petit droïde. Ah, il est là. Il a rien pris. Bon, alors ça va. Bon, là, il fait très mauvais, donc c'est embêtant. Allez, je vais aller mettre ça là-dedans. Et hop, on va mettre hop, ça dans l'inventaire. J'ai un peu d'eau. J'ai mon pistolet pour réparer. Alors lui.
Non, il n'a rien à réparer du tout. Donc, c'est bon. Ça va se calmer un peu. Je vais donc changer. Je vais prendre. Vous avez un pistolet ici. Ce pistolet, il est rechargeable. Donc rechargeable par le soleil, le sein solaire. Malheureusement, il ne donne pas des gros poufs, mais celui-là, je vais le garder très longtemps. J'éteins la lumière. Je vais retourner là-bas. Et là-bas, je vais essayer aussi d'avoir des fruits pour nous permettre de vivre, d'en vivre également. Hein. J'ai de la nourriture, mais là, je peux récupérer des fruits à cet endroit-là. Il faut que je fasse attention parce que tu m'as suivi? Oui, c'est bon. Allez, Nono, suis-moi. Oh, il est là-bas, là. L'alien. Ah, il y a du berry de fruits. Oui, il est pas très loin. Allez, tire dessus. Il a réussi quand même à. Il est plus rapide que moi. Je préfère utiliser le pistolet, même s'il est moins puissant, parce que mon fusil. Il est là-bas. Hein. Il y en a partout. Oh, il est parti dans les montagnes. Bon, je vais devoir aller chercher les minerais par là. Alors ici, ces plantes rouges, là, il faut les éviter parce qu'elles sont venimeuses. Et attention, vous allez mourir là-dedans. Oh! C'est toujours lui. Et voilà, je l'ai eu. C'est bien. On va récupérer sa viande parce que sa viande est consommable. Voilà. Je sais qu'il y en a encore un par là. Et quand on va ici, vous avez donc cette viande alien. Et elle est consommable. Alors on monte en level, hein. On est à 71 sur 123. Oh, ici, il faut éviter les plantes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, on a de l'iron, de l'aluminium, que je vais donc récupérer. Ouais, toi, tu es là. Et surveille. Bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ici, c'est de l'iron, je veux pas d'alu encore. Allez. On va ramener ça, c'est encore de la rhum, j'en veux pas. En 4. On va courir un peu. Voilà.
Dans ce deuxième épisode, vous avez pu voir pas mal de choses. Vous savez, c'est un jeu, c'est beaucoup sur le craft, construction building, d'outillage, d'armes, de nourriture, mais aussi l'exploration, récupérer du minerai, on va construire des bases complètes. Donc il faut énormément de minerai. Donc après, je vous ferai des épisodes un peu plus loin dans le jeu, en espérant de ne pas me faire tuer, parce que les aliens sont quand même très dangereux. Voilà pour cet épisode. Nono, il est ici. Moi, je vais aller sauvegarder à l'intérieur de mon dôme. Voilà. F. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir essayer de stocker un maximum de choses dans le coffre, sinon on va tout perdre si on meurt. Bon, c'est ça qui est important. Voilà, cet épisode-là se termine maintenant, 30 minutes. Moi, je vous dis merci. Mettez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir toutes mes vidéos que je fais. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.